Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure. On va quitter un peu la catégorie des aventures horrifiques et on est de retour dans la catégorie des aventures exotiques. La dernière aventure exotique était sur Far Cry Primal. Là aujourd'hui on se retrouve sur une exclusivité Sony et plus précisément Horizon Zero Dawn. Et nous sommes sur PlayStation 4 Pro. Pourquoi je vous dis ça? Normalement, il devrait y avoir des différences avec la PlayStation 4 normale. Ça veut dire que là, l'aventure va être encore plus optimale, étant donné que c'est cette version que les développeurs ont réellement taffé. Ça devrait être un petit peu plus beau, un petit peu plus propre, peut-être moins de... comment on peut appeler ça? Moins de baisse de framerate. Écoutez, on va tout découvrir ensemble. Nous sommes donc sur Horizon Zero Dawn PlayStation 4 Pro. Ce jeu a été extrêmement bien noté, les tests sont sortis il y a une à deux semaines, c'est ça qui est surprenant, sachant que le jeu n'est même pas encore sorti quand vous voyez cet épisode 1. Donc, on est parti les potes, cessons de bavarder, je tiens juste à vous dire quelque chose, je compte sur vous pour exploser la barre des gemmes. Vous m'avez tellement motivé avec Resident Evil 7, vous m'avez donné, réellement les gars, j'étais dans une phase clairement descendante, c'est-à-dire que j'avais plus du tout internet, je n'ai plus internet depuis 6 mois, j'essaye de vous uploader du contenu avec une 4G plus qu'aléatoire, hein, elle me permet même pas de live, et je live en allant chez Alfouille, quasi tous les soirs. Imaginez, donc je fais des allers-retours juste pour liver et vous proposer aussi des VOD direct avec sa connexion. Mais voilà, vous m'avez tellement donné la dalle, vous m'avez tellement donné faim les frères, vraiment, pour vous proposer du contenu sur des jeux que, voilà, là je suis au top. Clairement je suis au top, je suis boosté, surboosté, survitaminé. Là, ça va être sale les gars. Sachant qu'en plus de ça, j'ai appris que j'ai la fibre optique dans ma ville d'ici à peu près un mois. Donc c'est encore plus, voilà, je suis encore plus au top. Tu vois ce que je veux dire cousin? Je suis encore plus au top. Donc je compte sur vous pour bombarder les likes les gars. Ça fait extrêmement plaisir comme d'habitude. Partagez la vidéo et on est parti pour une aventure exotique. Épisode 1 sur Horizon. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? Alors lui, il a une voix. Rien qu'avec sa voix, frère. Cette voix, vous l'avez entendue dans énormément de films et séries. Mais rien qu'avec sa voix, il te tue. Il aspire ton âme, tu vois ce que je veux dire? Il a une voix littéralement incroyable. C'est ta mère qui devrait être à ma place. Si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais, nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça, un jour.
cette matriarche, Tirsa, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel? Non, 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 relève-toi vite, il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on était paria. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais, allez, va, prépare-toi au rituel, va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom! Aloy! Que son nom soit béni entre tous! Arrêtez ça tout de suite! Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria? Allez, parle! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que... Magnifique. Ça s'annonce très très bon pour la suite. Je rappelle que c'est un open world et qu'on va pouvoir aller où on souhaite aller. Et rien que ça, ça risque d'être incroyable pour cette aventure exotique. Croyez-moi qu'on va bouffer du paysage, on va clairement kiffer. Il y a quelque chose qui m'a énormément attiré dans ce jeu-là. C'est tout simplement, je sais pas comment on peut l'appeler, ce côté rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'on a eu Far Cry 4. Hein, en let's play qui était dans le présent, Far Cry plus mal qui était à la préhistoire, et là dans ce Horizon on a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi les machines ont le dessus et sont la forme la plus évoluée apparemment et sont des dinosaures? Voilà, donc pourquoi les dinosaures sont des machines? Pourquoi l'espèce humaine est en voie de disparition et a l'air entre guillemets primitif? Beaucoup de questions et j'espère qu'on aura toutes les réponses dans ce Horizon. Donc les gars, on est parti. Nouvelle partie. Alors je vous cache pas une chose avant de commencer. C'est que j'avais fait juste cette petite intro sur ma PlayStation 4 classique. Et clairement, j'ai vu énormément de différences. Surtout dans les... comment on peut appeler ça? Dans les transitions. Dans les transitions quand ça passe d'un cadre à un autre. Il y a pas mal de clipping d'apparition de fourrure ou de fourrure qui se réinitialise dans une autre position, etc., etc. Et là, sur PS4 Pro, j'en ai bien tout petit peu, mais beaucoup moins. Et là, déjà, honnêtement, ça risque d'être bien plus plaisant à regarder pour vous et pour moi, parce que c'est des petits trucs, mais ça me gêne. Je vais pas vous mentir que ça me gêne. Nous sommes partis! Nouvelle partie, les gars. Facile, normal, difficile, très difficile, normal, évidemment. Et bah, une nouvelle cinématique. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres?
Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Principal, un don du passé. Ok. Y a des rats ici. C'est moi qui ai la manette en main, c'est donc à moi de jouer, les amis. Ok, on va voir un petit peu, on va essayer de tâter tout ça. Bon, jusqu'ici, ça a l'air parfaitement fluide. La direction, très très simple. Alors, pourquoi je me pose cette question et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que derrière ce jeu qui a l'air littéralement incroyable, c'est Guérilla. Guérilla, c'est Killzone. C'est Killzone qui a su nous épater, nous étonner, pousser la PlayStation 2 à fond, la PlayStation 3 à fond, de par des jeux juste magnifiques graphiquement, mais avec une lourdeur dans le gameplay, juste terrible. Et là, là c'est parfaitement fluide. Et le gameplay, c'est pas lourd. Et clairement, c'est intéressant. Ok, on peut monter par là. Il n'y avait pas un autre chemin? Attendez. Ça a l'air étroit. Mais je peux passer. Appuyez sur carré pour vous accroupir ou vous relever. Très bien, donc carré, je suppose que ça sera une sorte de mode... C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Ok, donc carré, ça sera le mode furtif, hein, vous l'aurez compris. Si je fais ça... Ok, rond, c'est pour faire des petites galipettes, on apprécie toujours. Hein. Donc, je rappelle qu'on a 6-7 ans, nous sommes une paria, hein, malheureusement, mais c'est pas notre choix. Ça me fait rappeler un peu Naruto, hein, dans le concept. Toujours solo. Personne ne prenait soin de moi. Les gens m'ignoraient, c'était terrible. Bon, je suppose qu'il n'y a rien à ramasser par ici. On va donc continuer par le seul chemin possible, entrer dans la grotte. Par contre, c'est très très beau. Regardez les effets de lumière, les particules. C'est vraiment, vraiment très très beau. Les cheveux aussi. Et les textures, c'est propre. C'est très propre. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. Ah oui, forcément, là je suis totalement d'accord avec toi. Mais, d'accord, donc ça c'est, comment on peut appeler ça? Des installations de la civilisation passée. D'accord? Donc, comment ils appellent ça? Là, c'était l'âge de métal. Parce que, il y a eu l'âge de pierre, hein, bien évidemment, où on était là, on jouait avec des cailloux, tu vois, tout se passait bien. Il y a eu l'âge d'or, il y a eu plein d'âges. Et là, il y a eu l'âge de métal qui a fait que les dinosaures, les tyrannosaures de type robotique ont envahi notre belle planète. Et la civilisation humaine a presque disparu, sauf nous. C'est le seul truc que je sais du jeu. Ok. C'est rien. Alors, par contre, c'est très stressant qu'elle soit sur la droite de la caméra. Je sais pas pour vous, mais ça me stresse de ouf. On peut pas changer. Ok, je peux rien faire pour le moment. J'ai appuyé sur toutes les touches. Attendez, si j'appuie sur... Je vois quelque chose là-bas. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un laboratoire. C'est peut-être là-dedans qu'ils étudiaient, justement, ces machines. Alors, pourquoi avoir voulu refaire des dinosaures en robot? Ah bah tiens, maintenant, il est sur le côté gauche. Attendez, j'ai appuyé sur une touche ou pas? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un cadavre. C'est rien, ma sœur. Oh, c'est pas le premier qu'on voit. Il y a quelque chose qui brille par là. C'est un œil. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On dirait un transmetteur.
la gueule du cadavre, les humains ont développé des batteries très très longue durée quand même. Hein. Parce que c'est toujours alimenté, hein. Des batteries limitées. Ça c'est bon ça. Ça présage du bon pour notre ami Radu. Aussi petit. Waouh, c'est beau, hein. Ok, le focus. D'accord. On dirait que grâce à ça, je peux voir les machines qui étaient en fonctionnement. Tiens, une machine à IRM. Ok, c'est pas mal. Mais alors, est-ce que je peux justement... chose bête, non? D'accord. Donc, c'est toutes les machines de l'ancienne civilisation et leur emplacement. Très bien. Une porte de métal. Elle est fermée. Non, t'inquiète pas. Peut-être... que je peux trouver une sortie avec ça. Ok. Utilisez l'appareil pour scanner la pièce. Porte anti-explosion, blindée, intégrité de la serrure garantie. Très bien. Alors, là, je vous avoue que il y a une touche, quelque chose en particulier, non. Donc, je vais devoir trouver la sortie. Encore des lumières. Ok. Eh ben, on va suivre le câble à l'ancienne, les gars. Pile poil de l'autre côté, pas de soucis. Alors comment on y va par contre de l'autre côté? C'est là le problème. Alors attendez. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Aucun putain de souci les mecs. C'est à 10 mètres. C'est à 12 pas. Mais pourquoi ça monte le nombre de pas? Qu'est-ce que c'est? Plus je me rapproche de l'objectif, plus le nombre monte. Non, là c'est bon. Je crois qu'il y avait un bug. Ok, c'est parti. Donc c'est par ici. On va pouvoir ouvrir la porte. Tourner verrou holographique en sens anti-horaire ou en sens horaire. Ok. Vous commencez comme ça les mecs. Dans le sens horaire. D'accord, j'ai peut-être fait... j'ai tenté quelque chose, je vous avoue, voilà, bon. Ok, il y a quelque chose par ici. Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. D'accord, il faut que ça soit... Ok, j'ai compris. Il faut que ça soit comme ceci. Et là, c'est ouvert. Ça a changé de couleur. Ouah, bien joué à toi, Aloy. Alors, là, on vit évidemment... les débuts d'Aloy et sa petite découverte quant à ce petit triangle qui me permet... de voir les anciennes la technologies porte a changé de couleur. Animées. Bien joué à toi, putain. Allez, vivement qu'on soit à l'âge où on est grand, là, adulte, là, parce qu'elle va me saouler très très vite. Ça a marché. J'ai marché dans du caca. Le caca a changé de couleur. Il est devenu vert, c'est dégueulasse. Alors, Aloy, qu'est-ce qui se passe? Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Oh, bien. Ok. T'as quelque chose de l'autre côté. On va pouvoir passer par ici. Ok, il y aura pas de méchant, hein. Je suis pas inquiété. J'ai 6 ans, les mecs, hein. S'ils mettent. Enfin, j'ai 6 ans, 6 ans et demi. Allez, on met 7 ans en arrondi, hein. J'ai 7 ans, donc je vois pas pourquoi il y aura un méchant. Qu'est-ce comme que ça. C'est oh, encore un. C'est quoi ça? C'est totalement incroyable. Tu crois que c'est ce que je voulais? Je peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Ok, d'accord. Donc on peut voir un petit peu... Voilà, il a mal fini là, hein. C'est une évidence. Hein. C'était pas le meilleur anniversaire, quoi, hein, soyons sûrs. Mais bon, anniversaire quand même, quoi. Ok, se faufiler par l'ouverture. Quelque chose me dit... Ah, il y a quelque chose à droite. Il y a une sorte de coffre à droite et là-bas notre objectif. On va aller là-haut quand même. C'est peut-être pas là pour rien, je suppose, non? Attendez, bougez pas, bah regardez. Qu'est-ce que c'est? Un message. Ok. Bon, bah, bonne année, mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Eh si...
plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je ne sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux. C'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois. D'accord, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Comment ils ont pu s'éteindre, sachant qu'ils étaient en plein anniversaire, en pleine boum, en pleine fête, c'est... Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Jana distribuait des médicaments. Comme si vivre était... une souffrance à apaiser. Mais... pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation même. Alors si ça dérange celui qui trouvera ceci... Qu'est-ce qui les a tués? Bah tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. Ok, je me pose la même question que toi, Aloy. On va dire... Il est Machu Picchu. J'ai toujours voulu le voir. Je l'ai jamais fait. J'aurais dû accompagner Owen quand il me l'a proposé. Ouais. J'aurais carrément dû. Bref. D'accord. On n'en sait pas plus. Ok, on continue les gars. Ah. Il y a Rust. Il m'a retrouvé. Rust m'a retrouvé. Je suis là. J'arrive. Louis, sois là tout de même. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé, en bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Vraiment, ce côté rétro-futuriste, j'adore. J'adore la direction artistique, les gars. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon. Comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Ok! La cueillette! Ça me rappelle énormément Far Cry. Maintenant, mange-les. Quoi? Ok, flèche d'eau pour se soigner donc. C'est vrai qu'elles sont amères. Elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales. Le jeu est tellement beau, les gars. Où est-ce qu'on est ?
Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mer. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Mater les animations, tout, c'est impressionnant. C'est vraiment kiffant. Les gars, si toute l'histoire est prenante, plus bas, honnêtement, suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. On aura là une nouvelle licence. Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Qui risque de marquer, très clairement, l'histoire de la PlayStation 4. Bon, on continue. On s'enflamme pas trop, hein, les gars. On est au tout début du jeu. Mais vous aurez mon ressenti final. Voilà une machine. Sur la fin. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Bien évidemment, ok. Les hautes herbes. Regardez. Énorme. C'est con, mais c'est là. Tellement bien fait. Ne te montre pas. Bébé. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Chaque machine a, entre guillemets, son écosystème, reste sa façon de... Et suis-moi de l'autre côté de du se déplacer. Chaque machine a son point faible qu'il va falloir trouver. Et rien que ça, ça va être dingue. Oh, un autre. Attends qu'il passe. Ok. Viens, par ici. Et regardez aussi les détails. Là, c'est plus pas qu'une texture. Moins tu fais de bruit. C'est pas qu'une texture de peau appliquée sur comme les animaux, là. C'est vraiment... tout est mécanique, tout est recherché. Moi j'adore les gars, pour l'instant je suis sous le charme de la direction artistique, vraiment. Et du principe que cette fois-ci c'est nous les primitifs, entre guillemets. Et c'est les machines qui sont évoluées. C'était le dernier. Continue. Ok. Bon lui par contre sa tête elle sort du bush. Putain par contre il a un arc, attention gros. Hein. Je veux le même. Hein. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Ok, reste indicateur de discrétion. On approche du troupeau. Œil ouvert ou fermé indique dans quelle mesure vous êtes visible. Très bien, bon bah pour l'instant je suis visible. Je suis toujours visible et par exemple derrière. D'accord, donc il y a que les bushs qui sont pris en compte. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèb! Retourne à ta place! Thèb! Où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Bon, c'est rassurant quant à l'avenir du fait qu'il y a des villages, apparemment. Il y aura, en tout cas, des villages un petit peu partout. Ça serait bien, ça serait énorme. C'est vrai que Far Cry Primal, ça manquait un petit peu de vie. Alors, il y avait les avant-postes, bien évidemment, mais ça manquait un peu de village. Forcément, on était limite comme les Gaulois. Seul village qui résistait contre le reste. Ok, on prend tout ça. Des galopeurs. Ah! Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et des grandes ciels de repère. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée, tu verras. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On va passer du bon temps ensemble. Je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Je vous le dis, les gars. Quoi? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Pour faire diversion. Ça suffira. Suis-moi. Non, ça suffit pas. Je fais ce que je veux. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tiens, je reprends encore. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Alors? Hein? Je vais me faire une tenue en caillou, moi, mon pote. Ok. Là, j'ai combien? 7 pierres. Très bien. On continue. On sait jamais. Allez, c'est parti. Bon, il va m'apprendre à acheter des cailloux. Il est où, le frérot, là? Attendez, j'ai perdu, là. Non, ça va.
Il a cavale par contre, hein. Il attend pas vraiment, hein. Je suis sa fille, on a rien à foutre, frérot. Par ici. J'arrive. Vas-y, mon pote. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. D'accord. Oh quoi? Merde, maintenez pour viser. Oh dur. Aloy, lance une pierre vers moi. Bien joué, père! C'est incroyable! Tu l'as enculé! Voilà! Bien, y'a plus de danger. Bah fouille-le! Fouille donc le cadavre! Regardez de nuit comme c'est beau des petites lucioles! Ok, on re-ramasse les pierres, les mecs. Fouille le cadavre, je t'apprête à faire des flèches. Eh ben voilà, c'est ça que j'aime, on fouille. Ok, mais on va tout prendre. Donc y'a de la bluette, de l'éclat de métal. Bien, à présent. Va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Père, pourrais-tu parler, s'il te plaît, dans un langage que tout le monde comprend? Ah, d'accord, des branches, ok, bon, on va les ramasser tous. Vas-y. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal, la pointe. Bien joué à toi, putain. Ça, c'est dingue, ça. On n'est pas si primitifs que ça, les mecs. Ok, on fabrique. On fabrique encore. Ça y est, 20 sur 20, pas mal. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Pas mal. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Je ramasse un peu de tout, les gars. Je ramasse des cailloux, je ramasse tout ce qu'il faut. Hop, des pierres. 10% de santé ajoutée au sac médicinal. Tiens donc. Ok, pourquoi t'es baissé? Ah. Là. Reste accroupi dans l'herbe. Et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah. Un galopeur, une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur, s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. R3 pour scanner le galopeur, d'accord? Yes, son dos. Ah, on peut marquer, c'est pas mal ça. Ok. La bombane sur son dos? Go. C'est un point faible? C'est ça! Comment tu as su? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieux. Et abat ce galopeur. Vise son œil. Allez! Continue! Allez! Allez! Ça dégage, mon pote! Pas le temps de niaiser! Oh, on l'a enculé! Bon, trois flèches par contre. RT6 est triste. Ok, on va le fouiller. Et on va tout prendre, évidemment. Hop. Tu t'es bien débrouillé, mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon, celui qui courait sur le sentier. On va se faire enculer. Suis-moi, Aloy, vite! Oh là, on va se faire enculer, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah, je la sens pas, là. Là, je la sens pas, frérot, fais pas le con. Ok. Mais alors, s'il se fait kidnapper, peut-être que le village me verra comme quelqu'un de gentil, au final. On se croirait dans Jumanji avec les tambours qui commencent et tout, on n'est pas bien. Attendez, je peux sauter? Oh yes! Ok, je peux sauter direct. Je peux... Oh, c'est génial! Ça peut pas être con, hein, mais il y a des jeux tu ne peux pas sauter, tu vois. À part, bien évidemment, si une action contextuelle t'y invite. Oh yoy! C'est quoi cette aura? Ça fait moi le malin!
vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Oh. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Ok, phase d'infiltration, vous connaissez bien évidemment mon côté légendaire hein, pour tout ce qui est infiltration. Ok, on va passer en mode focus. Oh putain, il m'a fait peur ce con. On peut tous les marquer, c'est pas mal. Ok, on va tous les marquer. Ok. Alors, Faut que j'avance lentement sans faire de bruit. T'as trop ouvert ta gueule, à quel moment je peux savoir où ils vont? Afficher piste. D'accord. Ok. Il faut que j'aille où, sa mère? Oh! Qu'elle me repère. Ok. Ok, ok. C'était chaud. D'accord. Effectivement, on peut savoir exactement où ils vont. Putain, tu fais quoi, toi? Toi, tu bouges pas, toi. Ok. On va essayer de passer par là-haut. Ok. Il va aller ici. Il va faire demi-tour. Il va faire demi-tour chez WAM. Pardon. Oh putain. Oh le délire. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, ça c'est fait, je dois aller tout là-haut, hein, d'accord. Donc pour l'instant, il y en a trois à semer, ça sert à rien d'aller là-bas, il y a rien à y faire. On attend juste qu'il se casse. Il va faire demi-tour par là-haut, normalement. Non, il n'y a rien là-bas, mais attendez, je peux même pas passer, il y a des cailloux. Non? Très bizarre, je sais pas. Je crois qu'il faut que je passe par la droite. Je crois qu'à droite, il n'y a rien du tout. Eh putain! Ils ont des tours de garde terribles! Casse-toi! C'est bon. Ok. Je dois être prudente. Ok. Je suis visible, mais pas trop, vu que je cours pas. Et là, je suis totalement invisible. D'accord. Bon. Frérot, montre-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Ah oui. Ok, il y a une plante là-haut, mais c'est quoi? On va pas prendre le risque de la ramasser. De toute façon, elle m'apporte peut-être pas grand-chose. On y est bientôt, en plus. On y est bientôt. Mais ça sert à quoi? Je vais pas faire marche arrière avec le même mec. C'est ridicule. Je peux pas le porter. Je vois leur trajectoire. J'ai couru, il a pas kiffé, c'est sûr. Fais pas le con, Paolo. Fais pas le con, Paolo. Ok, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Hé, hey, allez. Hein? Hein? Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas.
Vas-y, viens, Paolo. Comment tu fais pour les éviter? Ah, écoute, on appelle ça du génie, mon ami. Un jour, je t'expliquerai. Ok, afficher la piste. D'accord. Bah, on va rester derrière lui. On va même passer par ici. Oh, mais comment tu fais ça? Ferme-la! Oh putain. Viens. Viens, Paolo. Mais comment c'est possible? Mais tais-toi, on t'a dit, putain, ferme-la! Ok. On va rester accroupi parce que tout à l'heure j'ai essayé de me lever, c'était la merde. Pas un jouet. Attendez, que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ouf. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour ! Au cœur de la mer ! Et toi, tiens ! Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Rien. Stop, ne dis plus rien. Stop, ne dis plus rien. Stop, ne dis plus rien. T'as rien à faire ici, la sans mère. Petite bataille de cailloux, ça peut partir très vite. Ok, les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer sa personnalité. Si vous choisissez le point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec le cerveau, Aloy tentera une approche. Et avec le cœur, tu lâches la pierre. Écoutez, on va essayer de la jouer intelligemment. Et on va choisir, je pense, le cerveau. Ouais, ça, c'est... en gros, ça veut dire que si je foire... Oh, je suis un génie. Hey. Faut pas se laisser faire, les gars. Jamais se laisser faire. Ah, tu saignes. Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi ? Est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors? Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches... Je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment ? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire ? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole ? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant.
Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors ? Allez, dépêche-toi ! Deux jours de l'éclosion et il disparaît ? Non, il ferait pas ça. Niveau 3, atteint ! On va avoir l'arbre de compétences et on va voir tout ça dans l'épisode 2, les amis. On peut débloquer des compétences, c'était incroyable. Cette cinématique m'a donné des frissons, j'ai trop kiffé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de bombarder le j'aime, de mettre un commentaire. Et je vous fais des bisous, portez-vous bien. À très bientôt pour l'épisode 2. Bisous tout le monde, ciao ciao.